Les petits virus de l'hiver sont déjà là, mais il faut le rappeler Fanny, les antibiotiques c'est pas automatique. Ouais, on connaît le slogan par cœur et pourtant la France est le cinquième pays le plus consommateur d'antibiotiques. Constat alarmant dressé par les plus hautes instances sanitaires à l'occasion de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. À Yasmine Akatoul, l'an dernier la consommation d'antibio a augmenté de 16% en un an, soit 820 prescriptions pour 1000 habitants toutes classes d'âge confondues. Oui, les prescriptions d'antibiotiques ont augmenté de 16% chez les plus de 65 ans l'année dernière, mais c'est surtout chez les enfants que les prescriptions ont explosé plus 51% chez les 5-14 ans après avoir été protégés des virus et bactéries grâce aux gestes barrières. L'hiver dernier, beaucoup de jeunes ont été contaminés par le Covid, la grippe ou la bronchiolite, explique Laetitia Gambotti, elle est responsable de l'unité infection de santé publique France. On a vu l'année dernière une triple épidémie. Notre et que cette triple épidémie a favorisé une consommation massive chez les enfants. Le médecin rappelle les précautions à adopter. Les antibiotiques sont efficaces uniquement sur des infections bactériennes et n'ont aucun effet sur des infections provoquées par un virus. Il ne faut jamais réutiliser des antibiotiques pour soi ou pour ses proches, même si les symptômes sont identiques. Pour diminuer les prescriptions d'antibiotiques, il faudrait, selon Laetitia Gambotti, développer des tests pour distinguer les infections bactériennes et virales, comme c'est déjà le cas pour l'angine.